Alors, je viens du monde des avocats. Donc, je suis avocat. J'ai été avocat. Je suis toujours un peu avocat. Voilà, je me suis occupée de droit des étrangers pendant des années. Donc, voilà, ma passion, c'était ça. C'était droit des étrangers, droit de l'homme. Et puis, j'ai toujours adoré écrire. J'ai beaucoup joué au théâtre aussi. Et puis, ça a été la rencontre avec Diana Elbaum. Moi, un jour, je lui ai dit, je ne la connaissais pas, je l'ai rencontrée à un dîner. Je lui ai demandé si je pouvais lui envoyer un petit scénario. Donc, elle m'a dit oui, un court-métrage. Et elle me dit, je réponds rarement, positivement en tout cas. Et donc, j'ai travaillé pendant 2 jours d'affilée. Je me suis enfermée dans mon bureau et j'ai écrit une histoire de réfugié qui s'appelle Einstein était un réfugié, que j'ai envoyé à Diana. Et elle m'a dit, elle m'a répondu pratiquement tout de suite, m'a dit, on va boire un café toutes les deux. Et puis c'est Diana en fait qui m'a dit, mais tu sais, c'est très particulier parce que quand tu racontes ton film, tu vois ce que tu racontes. Et moi, ça me semblait être assez normal. Je dis, ah ben oui, je vois tout, je vois les costumes, je vois les décors, je vois la façon de jouer, je vois les déplacements, je vois le film. Elle me dit, bah, tu vas être réalisatrice toi un jour. Et voilà, donc j'ai un peu étudié. Hein. Et on a tourné Einstein était un réfugié. Et puis j'ai adoré l'expérience. Donc j'ai travaillé sur le long métrage, sur Faut pas lui dire, pendant 3 ans. Et voilà, et puis les choses se sont très bien mises pour moi. Je dois avoir une bonne étoile.